J'ai assisté à leur thèse, à la soutenance de thèse à Polytechnique. Il faut quand même que je le rappelle parce qu'on a souvent dit qu'ils n'étaient pas des vrais scientifiques. J'étais à leur soutenance de thèse à Polytechnique, d'une thèse de physique mathématique. Je connaissais très bien leur directeur de thèse, Moshe Flato, qui était le patron de. Du département de mathématiques à l'université de Dijon et aussi à, 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 à Tel Aviv en Israël, donc était un très grand mathématicien. Et je lui ai demandé, parce que moi je ne suis pas mathématicien, je lui ai dit, mais dis-moi, très sincèrement, c'est quoi leur thèse Qu'est-ce qu'il y a dans leur thèse Est-ce que c'est des barjots Est-ce que c'est. Voilà. Bon. Donc je résume. Pour défendre le travail scientifique des Bogdanov, Luc Ferry rappelle qu'il a assisté à leur soutenance de thèse à Polytechnique, où il en a profité pour demander à leur directeur de thèse. Mocher Flateau, ce qu'il fallait penser de leur travail. Très bien, sauf que c'est factuellement impossible. La mémoire de Luc Ferry doit lui jouer quelques tours puisque c'est le 26 juin 1999 que les frères Bogdanov ont soutenu leur thèse à Polytechnique. Alors, Précision, quand on dit euh, à Polytechnique, ça veut dire que c'est dans les locaux de l'école Polytechnique que les frères doctorants ont passé leur thèse pour une question de salle disponible. Mais évidemment, ni l'un ni l'autre n'étaient bien sûr étudiants à Polytechnique. Et ça, c'est une méthode assez récurrente de la petite bande organisée Bogdanov, à savoir présenter les choses d'une manière qui les arrange. C'est comme ça que dans leur premier livre, dans les années 90, les Bogdanov se présentaient comme docteurs. En astrophysique et en physique théorique, et aussi docteur en sémiologie sous la direction de Roland Barthes, alors qu'il n'était encore titulaire d'aucun doctorat, encore moins en sémiologie. Leur thèse, ils la soutiennent donc à Polytechnique le 26 juin 1999, et c'est là que Luc Ferry nous dit avoir interrogé Moshe Flato, leur directeur de thèse, sur la validité de leur travail. Sauf que, leur premier directeur de thèse, qui était effectivement euh, Moshe Flateau, est mort un an auparavant, en 1998.